Salut les amis, ici Chris, comment allez-vous? Moi ça va bien, on se retrouve pour l'ouverture de la première partie de cette display. Comme je l'ai dit dans le courte vidéo, dans le short, elle va être ouverte en 6 parties de 6 boosters chacun. Et ça sera, comme d'habitude, Monsieur le dé qui va choisir l'ordre de passage des boosters, en espérant qu'il soit chanceux. Et donc cette display, ah, j'ai touché le pied de la caméra. Cette display, je l'ai eu pour moins cher que le prix norme, que le prix qu'on peut voir, c'est pas 190 euros, je l'ai eu beaucoup moins cher. Et en même temps, sur le site où je l'ai eu, j'ai eu cette carte en cadeau, je sais pas ce que ça vaut, c'est de la SFG Grading, Société Française de Gradation, c'est ça ce que veut dire SFG, c'est Société Française de Gradation. Ils m'ont mis ça en cadeau. Tortank de Pokémon Go Holo avec en gradation 9. Et donc vous voyez, il y a le QR code aussi qui se trouve ici. Le petit logo SFG ici. Que je trouve très sympa. C'est très clair. Très propre. Donc je ne sais pas ce que ça vaut du tout. Mais c'est un cadeau. Voilà. Petite aparté. Si vous voulez savoir où j'ai eu cette display, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et ce sera avec plaisir que je vous dirai où est-ce que je l'ai eu. Donc, en tout cas, c'est pas mes vidéos sont pas sponsorisées. Hein. Allez, on va s'ouvrir ça chez Monsieur Ciseau qui est là et on va sacrilège. Hop, on s'ouvre ça. Ah, il veut pas, hein. Le plastique est dur. Le plastique est dur, dur. Hop, désolé, j'ai encore touché le pied. Hop, ça y est, j'ai fait un trou. J'ai fait un trou. Voilà. On va s'en sortir, hein. Voilà. Ah! Ah! Vous avez un pincement au cœur? Non, j'espère pas. Hop! Voilà, elle est déblistée et le blister va aller à la poubelle. Hop! Tac! Et on va se mettre ça en format bureau de tabac ou papeterie. Voilà! Et nous avons deux farfas duvet en devanture. Allez, Monsieur le dé va nous choisir le premier booster. Alors ce sera le premier. On fait comme ça, hein, dans ce sens. Alors premier booster. Ok. Le deuxième booster. Hop, je vous montre le dé. J'ai pas triché. C'est le 2. 1, 2. 1, 2. Troisième booster. Encore le 1. Il va nous sortir un arc 7, hein, je crois. Allez, quatrième booster. C'est le 3. 1, 2, 3. Allez, encore deux boosters à choisir. Le 1. Décidément, il fait des tout petits chiffres. Et dernier booster pour cette ouverture. Le 3, 1, 2 et 3. Okay, on termine avec un Dracaufeu. Donc, ça sera pour la prochaine vidéo. Pourquoi pour les prochaines vidéos? Mais décidément, je donne des coups avec mes lunettes. Ça le fait pas du tout. Hein. Alors, est-ce que nous avons un R7? Parfait duvet. Tac, tac, tac. Ouais, avec le dernier. Ça fait un art 7. Ouais. Et on va se les ouvrir dans l'ordre du passage des dés. Hein. On fait pas genre parfait du vêche I mean, ou comme ça. Hop. Allez, monsieur le dé rentre chez lui. Il va aller se reposer parce qu'il a travaillé dur pour nous sortir ses boosters.
Et c'est parti, mon kiki, comme dirait l'autre. En espérant que chaque partie de la vidéo nous aura apporté son lot de belles cartes. Ah oui, c'est vrai, faut pas que je me spoil avec le contour de la carte. Toujours un code sur deux. Ce code-là est pour vous, c'est cadeau. Et c'est parti. 1, 2, 3 et 4. Avec une énergie feu. Non, énergie métal. Énergie métal. Vibranymphe. Tropius. Kaorin. Farfuret. Electek. Eoko. Gricknot. Nous avons Tortipousse, nous avons pas de TG, mais nous avons Bassin de Magma, et on termine avec une simple rade de Béca Glaçant. Donc, booster, poubelle, et Shaymin. Shaymin, Shaymin. Sur le code. 1, 2, 3. 4 avec une énergie plante. J'aime bien des pouces bleus. J'ai trouvé l'énergie. Énergie plante. Bassin de magma. Colomar. Hyperbole. Skelenox. Neuneuf. Canartichaud. Talmor. Kenotor. Tranchodon en rare. Reverse, et on termine avec une simple rare de Papilord. Donc, ça commence très mal, ça, les amis. Ça commence très mal. Très très mal. Nous n'avons rien d'intéressant à nous mettre sous la dent. Allez, Arceus. Pour vous 1, 2, 3 et 4, donc pas besoin de découvrir l'énergie V vu que c'est une carte V-Star. Carte V-Star, Pashmila, Gant Purifiant, Mustéflotte, Tortipousse, Craquenois, Tiplouf, Balignon, Chacripan. Ah, je suis parti trop vite. Nous avons en TG Charmini. Pas de doublé. Si, avec une petite carte holographique de Simia Braz. Bon, une petite TG que je n'avais pas, il me semble. Hop, je mets ça comme ça. La reverse de la carte rare. La carte holo. Et la TG juste à côté. Tac. Voilà. Allez. Nous en sommes à la moitié avec le booster de chimie. Plus que deux boosters ensuite. Hop. Le code pour vous, les amis. Voilà, je me suis trompé. Celui-là, il était pour moi. C'est pas grave. 1, 2, 3, 4. Avec une énergie feu. Ça mérite un pouce bleu. Deuxième énergie découverte. Mustéflo. Cryptero. Pachirasu. Gringolem. J'aimerais bien aussi avoir de nouvelles cartes pour le portfolio. Pour les ranger dedans. Wistikram. Coupenote. Balbuto. Nous avons Tiplouf en Common Reverse. Et nous avons une simple rare de Loclass. Donc rien d'exceptionnel dans ce booster encore. Allez, Arceus pour l'avant-dernier booster de cette ouverture. Et après, on s'attaque au booster de Drapeau. Hop, hop. Ça tire le code. Et c'est parti. 1, 2, 3 et 4.
avec une énergie obscure. Non, énergie psy. Énergie psy. Cryptéro. Prénomission de Margie. Fourbelin. Polarume. Skelenox. Canardichaud. Le neuf. Ah, j'ai pris une carte en trop. Tadmor. Stade en ruine en peu commune reverse. Et on termine avec une simple rare de Léo Pardus. Donc rien d'exceptionnel dans ce booster. Bon, pour l'instant, dans cette ouverture, il y a simplement la TG qui est intéressante. Il n'y a rien d'autre. Ben, Monsieur le dé n'a pas bien fait son travail. Il nous laisse sur notre faim. Et dernier booster de Raikou pour remonter la pente. Hop. Ah. Je me suis spoil, c'est une carte blanche. Donc, au minimum, une TG. Et ça m'étonnerait fort. On va dire qu'il n'y a rien dans ce booster. Donc, une carte énergie. Oh! J'ai encore découvert l'énergie. 3 énergies sur 6. Alors, Primplouf. Chimpanzé en feu. Un 6H. Tortipousse. Farfuret. Tic. Spiritomb. Nous avons Coupenote. Nous avons 9-9 en commune reverse. Et on termine avec une simple rare de Golem Master. Donc, les amis, sur ce, le petit recap time se fait maintenant. Donc, nous avons eu simplement une carte reverse rare, une carte holo de Simiabraz. Et donc, la meilleure carte de cette couverture, ce sera Charmilly avec le Master Café. Voilà. Sur ce, les amis, portez-vous bien, droppez de belles cartes, laissez des pouces bleus, un commentaire. Et je vous dis à plus. Bye bye.